Salut à tous, c'est l'Ananas des Piqueurs de Base, donc on se retrouve pour le compte-rendu de la première compétition qui s'est déroulée au lac de Moisson. Nous, on a participé qu'à la première journée qui s'est déroulée samedi, il y avait deux dates, on ne pouvait pas participer au dimanche. Donc on est arrivé, le temps était vraiment nuageux, couvert, il y a eu de la pluie par la suite, avec du vent. Par intermittent, donc c'était pas terrible. Heureusement que mon coéquipier avait réussi à terminer le montage de notre nouveau moteur Minkota, donc ça nous a pas mal aidé. Et sur la fin de journée, on a eu deux soleils, donc c'était pas mal. Donc on a commencé la journée par faire des prospections en bordure pour moi, du moins. J'ai cherché le brochet avec des tils du Buster Jerk de chez CVC Strike Pro. Ou encore les Jerk Setter de chez Savage Gear, vraiment pas mal. Et pour mon coéquipier, lui, il a cherché plus les zones profondes de l'autre côté du bateau, un peu en pleine eau. Lui, c'est plus se centrer sur du Divinator de chez Biwa. Et vraiment comme ça, à palette, avec des bons éclats lumineux dans l'eau. Donc on touche 3 poissons, malheureusement non maillés. Donc après, on a continué à cette prospection, mais sur une autre stratégie, on a fait des dérives en pleine eau et autour des herbiers, parce qu'on se retrouvait avec des grosses tubes d'herbiers dans le milieu du plan d'eau qui nous paraît assez intéressante à se prospecter. Et là, on s'est plus centré sur du leurre soupe type Dexter Shad en 150, mais aussi sur les 200, sur des coloris assez flashy. Et pour mon coéquipier, lui, a plus pêché sur les Earring Shad de chez Savage Gear. Ou encore les Touch, qui, eux, viennent de Crazy Fish. Donc on a pu capturer que deux petits brochets, eux aussi non maillés. Donc on finira la journée sans poissons comptabilisés. Faudra peut-être revoir notre stratégie pendant notre autre date qui sera à Écluzel. À voir, suivant les conditions, là on arrive bientôt à l'ouverture, 1er mai et demain. À voir, pour moi on va faire une petite préparation, s'échauffer un peu, et la prochaine date arrive dans 2 semaines, donc ça arrive très vite. Donc en tout cas, un grand merci à nos sponsors, à Nature 27 Chasse et Pêche, nous suivre dans notre aventure. Également, tous les leurres que vous avez vus dans la vidéo sont à retrouver dans ce magasin. Il y a aussi la marque Crazy Fish qui nous suit. Et merci à eux. Allez, ciao ciao!